on se base surtout sur la globalité du thème. C'est-à-dire que pour moi, il est beaucoup plus important de voir un thème dans sa globalité que de pointer telle maison, telle planète, angulaire ou autre. Et je pense que de cette manière, on peut très vite avoir l'essentiel d'un thème, c'est-à-dire les principales motivations d'une personne, et c'est ça qui est important à mon avis. Donc, en interprétation, j'utilise par exemple les modèles planétaires ou les configurations, et ils auront d'autres techniques qui sont plus traditionnelles. En ce qui concerne les angles, on en a beaucoup parlé depuis hier, évidemment j'attache de l'importance aux planètes sur les angles, et je pourrais dire juste un tout petit truc au sujet des recherches de M. Gauquelin. Il a mis en évidence l'importance de la maison 9 et de la maison 12 dans ses statistiques. Pour moi, ça ne m'étonne pas du tout, puisque la maison 9 et la maison 12 sont des maisons de vocation, d'inspiration. Et les thèmes qu'il a fait sont des gens qui ont réussi dans la vie, scientifiques, acteurs, musiciens ou autres, ou sportifs. Donc ce sont des gens qui ont une puissante motivation intérieure. Donc il n'est pas du tout étonnant de trouver des accentuations pour ces gens-là en maison 9 ou en maison 12. Je pense qu'il y aurait beaucoup plus intérêt, et serait beaucoup plus intéressant de faire aussi beaucoup de statistiques à ce moment-là sur des monsieur et madame tout le monde, et je pense qu'on aurait des résultats tout à fait différents. Pour en finir avec M. Gauquelin, ceux d'entre vous peut-être qui ont fait son thème s'apercevront que son thème correspond assez bien justement à ses statistiques. On aurait terminé là-dessus en disant qu'il y a quelques années, un certain Carl Jung a fait des recherches dans ce domaine aussi sur l'astrologie. Et il a démontré que les statistiques sont influencées par le statisticien à un niveau inconscient. Il a appelé ça la synchronicité. Et ceci, pour moi, clôt tout ce qui concerne les statistiques. Donc, j'ai même pas peur pour toi-même. Il a fait des statistiques. Moi, j'ai fait des statistiques pour t'en avoir des. Mais j'ai fait des statistiques, parce qu'en général, je ne parle jamais de ce que je connais, de ce que je connais pas. Je ne parle jamais de ce que je n'ai pas mis en pratique. Et bon, pour ce qui est des statistiques, j'en ai fait pas mal. Et à chaque fois, je trouvais ce que j'avais envie de trouver. Alors, je me disais, non, ça ne va pas. Comme j'ai un Mercure opposé à Pluton et Carré à Saturne, j'aime bien me remettre en question. Alors à chaque fois, je disais, bon, je vais me tromper, c'est pas possible, je recommence. Et puis bon, je me suis bien rendu compte que j'influençais moi-même mes propres recherches, et donc j'ai laissé tomber le côté statistique. Je voudrais dire deux mots très vite fait aussi sur l'astrologie spiraliste, que là aussi j'ai mis en place. Et là aussi je suis arrivé à évidemment la mettre de côté parce que ça ne marche pas du tout. En astrologie spiraliste, on recule tout de 20, 22, 24, 25, 26 degrés, personne n'est d'accord là-dessus. Et évidemment, vous trouvez, si vous êtes bélier, vous trouvez poisson. Je pense qu'ici tout le monde connaît bien l'interprétation des signes. Si on est bélier, on n'est pas poisson. Bon. Bref. Moi, ce que je reproche à l'astrologie sidéraliste, elle veut faire une astrologie soi-disant plus scientifique. Seulement, ils utilisent des constellations de 30 degrés. Or, toutes les constellations, vous avez des détails tout à fait différents. Pas les mêmes nombres de degrés. Voilà, vous avez par exemple le scorpion qui va faire 8 degrés, alors que les poissons font pas de 50 degrés. Et puis en plus, il y en a beaucoup plus que tout. En plus, les constellations se chevauchent. Les constellations se chevauchent sur plusieurs degrés. Donc c'est pas valable. Ou alors il faudrait faire une astrologie de constellation en connaissant exactement l'écart entre les deux zodiacs, en utilisant la taille exacte des constellations et en trouvant une interprétation pour chaque constellation. Parce que les astrologues idéalistes prennent pour les constellations l'interprétation des signes. Et là je suis pas d'accord, ça va pas du tout. Donc je pense que peut-être dans le futur il pourra exister une astrologie idéaliste qui sera complémentaire, mais là telle qu'elle est pratiquée actuellement, ça ne fonctionne pas du tout. Il y a quelque chose. On peut considérer que l'astrologie a été, si vous voulez, dans nos régions, a été surtout instituée sous l'ère du taureau, précisément, hein, donc, il y a 4000 ans, environ. Bon, s'ils avaient vu que le bélier, à ce moment-là, donnait des caractéristiques du taureau, ils auraient donné au bélier les caractéristiques du taureau. Or, ils ne l'ont pas fait. Alors, eux, ils étaient en fait dans la période de l'ère du taureau, or, ils ont bien donné les caractéristiques du bélier au bélier, et pas les caractéristiques taureaux au taureau. Et puis bon, l'astrologie des signes repose sur des choses quand même évidentes. Hein. Quand le soleil passe en déclinaison de latitude sud à la latitude nord, bon, c'est le printemps, ça c'est vérifiable, c'est pas vivant, c'est quelque chose de vraiment bien solide.
Alors, vu que la soirée est généraliste, on a des écarts, certains c'est 20 degrés, d'autres 22 degrés. Les papillotes au mois de février. Ouais, ah ouais. Aux États-Unis, par exemple, quand vous voulez faire votre thème à la mode généraliste, le Zodiac, c'est les pas l'exagération. Parce que c'est la scène. C'est la bande, c'est aucune de l'éthique. Enfin, on a toujours été clair à ce niveau. Il n'y a aucune équivoque possible. Aucune équivoque. Et ça, ça date du temps de Sauter. La collection que c'est, vous pouvez dire c'est les gens. Bon, alors maintenant je vais entrer dans le livre de mon sujet parce que je ne suis pas venu là pour critiquer les collègues, mais pour vous passer en sorte de traduire. Bon, je voulais vous présenter donc un sujet particulier qui est celui des maisons liées et des maisons aussi interceptées. Alors c'est quelque chose qui n'est pas encore très très connu, justement en France, mais bon, c'est quelque chose qui est intéressant et j'ai remarqué depuis plusieurs années et en consultation, bon, j'ai appris petit à petit comment ça fonctionnait. Moi, je me suis beaucoup documenté sur ce que font les Américains à ce sujet, parce qu'eux ont beaucoup développé cette technique. Et bon, j'en ai tiré des conclusions intéressantes que je vais essayer de vous faire partager. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on appelle des maisons liées? Alors, c'est tout simplement lorsque vous avez deux maisons contiguës qui ont leur cuspide dans le même signe. Exemple, vous aurez la maison 2 et la maison 3 qui auront leur cuspide dans le même signe. Bon, je vais vous faire une maison. Ouais. On va mettre par exemple la maison 9 ici, et puis on va mettre le milieu du ciel ici. Et nous allons mettre le signe du Verseau ici. Voilà. Donc nous aurons deux maisons qui se trouveront dans le même signe. Deux maisons qui se trouveront dans le même signe. On appelle ça des maisons liées, c'est tout simple. Comment l'interpréter? Ben, c'est tout simple. On associe la signification des deux maisons. Par exemple, ici, maison 9 et maison 10. Par exemple, la maison 9, entre autres, est une maison de grand voyage. La maison 10 peut être une maison de la carrière. Bon, on peut très bien tomber avec cette... C'est Jupiter, en plus, que vous avez mis là. J'ai dit Jupiter, en tout cas. Tout à fait, quelqu'un qui pourrait avoir une profession du grand voyageur. Par exemple. Voilà, un cas très simple. C'est-à-dire qu'on associe la signification de la 9 à la maison 10. Voilà, c'est ça. Oui, on est obligé de lier tout ce que représente 9 à 10 la situation. Voilà, ça fait dans la même énergie. Donc, c'est la même chose avec la planète, qui est en réalité en 9 et conjointe à 10. Donc elle lit 9 et 10. Et ça marche à tous les coups. Hein. Ah, ouais, c'est sûr. Ça marche à tous les coups. Alors là, donc, vous pouvez l'expérimenter. Obligatoirement, quand vous avez donc, comme ici, la maison 9 et 10 liées, vous avez les maisons en face, c'est-à-dire la 3 et la 4, qui sont obligatoirement liées aussi. Ça marche pas, hein, c'est bien évidemment. Et ce qu'on remarque aussi, c'est que pour que ces maisons liées fonctionnent bien, et pour qu'on tire le maximum de cette deuxième maison, il est important de bien exprimer la première maison. C'est-à-dire qu'ici, pour exprimer le milieu de ciel en représentant la carrière, il faudrait bien exprimer la maison 9. C'est-à-dire que ça peut être la découverte d'une vocation, ça peut être une recherche de théorie spirituelle qui peut conduire après à la réussite d'une carrière. En quelque sorte, la première maison liée joue un peu le rôle d'une maison 12 par rapport à la deuxième maison liée. Ça, c'est assez intéressant à noter. Donc, on interprète toujours par axe. Et évidemment, quand vous avez deux maisons liées comme ça, vous avez automatiquement à un autre endroit du thème des maisons, ou si vous préférez, des signes interceptés. Vous avez automatiquement en face, dans le signe du lion, vous avez automatiquement la 4, qui va être intercepté avec la 3. Et un autre endroit du thème, vous avez la 3. Donc vous voyez, c'est cet axe-là de maison, donc c'est très petit, ça va peut-être faire 18-20 degrés. Un autre endroit du thème, vous aurez un axe de maison qui va faire peut-être 40, 50, voire 60 degrés sous nos latitudes. Automatiquement, vous aurez là deux maisons qui se suivent, qui auront des cuspides. Non pas dans deux signes qui suivent, mais avec un signe intermédiaire. C'est-à-dire, par exemple, vous aurez une maison qui aura sa cuspide en taureau, et la suivante aura sa cuspide en cancer. Et le signe du gémeau au centre sera intercepté. Voilà. Donc, ces deux phénomènes, maison liée et signe intercepté, sont automatiquement, ça fonctionne ensemble. Alors, pour les signes interceptés, on peut les interpréter comme ça. Étant donné qu'en général, dans chaque signe, vous avez une cuspide de maison. Donc chaque signe est en quelque sorte un peu divinalisé par cette pointe de maison. Pour les signes interceptés, pour lesquels il n'y a pas de
de pointe de maison dans le signe, c'est un peu comme s'il était en retrait. D'ailleurs, le mot interception vient du latin interceptio, qui veut dire soustraire, comme mis en retrait. D'où l'origine de cette interprétation. En quelque sorte, le signe intercepté agit à un niveau inconscient. C'est-à-dire que la personne n'utilisera pas ou utilisera mal l'énergie correspondant à cet axe. Bon, j'ai vu par la pratique de nombreux exemples, bon, je peux vous en donner quelques-uns. Si vous avez par exemple une personne qui a un axe bélier-balance intercepté, qui est l'axe relationnel par excellence, il est très courant de voir cette personne avoir de gros problèmes dans son couple, ou même arriver à un divorce, ou alors cette personne aura un refus du mariage, un refus de l'union. C'est quelque chose de très courant. Une autre personne qui, par exemple, aura un axe intercepté lion-verso, aura beaucoup de problèmes affectifs, ou des problèmes dans les rapports avec les enfants, ou des difficultés à se faire des amis. Tout ça est en rapport avec la vie, soit du lion, soit du verso. Je vais toujours poser une question. L'axe 1-7 sur bélier-balance, vous mettez l'ascendant en où? Parce que tout va dépendre où se trouve l'ascendant. Oui, bien sûr. Si vous mettez l'ascendant ici, en balance, et que vous avez la maison 7 en bélier, en règle générale, ça nous donne toujours la chose suivante. Vous voyez que la 1, qui est co-significateur du bélier, et la 7, c'est inversé. En général, ces personnes ont tendance à faire exactement le contraire de ce qu'ils doivent faire. C'est d'ailleurs un des ascendants balance, ce sont ceux qui consultent le plus. Tout à l'heure, on en a parlé. Oh madame, excusez-moi, je ne voudrais pas me dire ça. De bonne foi, vous croyez faire des choses qui sont pour leur bien, et ils font exactement le contraire. Parce que 7, n'est-ce pas, en bélier, est très mal placé. On pourrait dire que 7, excusez-moi pour envoyer le système des divinités, est un exil en bélier. Pourquoi il est un exil en bélier? Parce que nous avons une maison 7, qui est une maison d'échange et d'union, dans le signe individuel du bélier. Autrement dit, il y a un des deux partenaires qui veut s'affirmer sur l'autre. Toi, tu n'as rien à dire, tais-toi. Ça dure ce que ça dure, ce genre de choses, vous comprenez? Ou alors il faut trouver quelqu'un d'absolument passif qui va passer toute sa vie comme ça, vous comprenez? La servante au grand cœur. Mais à ce moment-là, toutes les cuspides de maison se trouvent en signe inversé à la signification analogique. Absolument. Alors évidemment, on va tenir compte quand même de la construction du père, des planètes, des aspects, des dominants. On ne va pas tout de même commettre le contraire à chaque fois. Un thème, vous savez, exactement comme une personne, c'est quelque chose d'entier, ça ne se coupe pas en morceaux. Hein. Quand vous êtes là pour regarder Mars, si vous n'avez pas les yeux de l'autre côté pour voir ce qui se passe de l'autre côté, vous êtes foutu. Je vous propose quelque chose dans le genre, en tant que complexe, c'est lorsque la personne va se trouver avec un énorme en fait et un lucide. Oui, c'est mon cas. Alors là, parce que triplé, là, on tourne en rond. Vous aussi, ça va, je crois. Vous avez plusieurs possibilités. Vous avez des gens qui ont un axe intercepté et puis disons vierge entre guillemets sans rien. Mais vous avez beaucoup de gens aussi qui ont des signes interceptés avec des planètes justement dans ces signes interceptés. Là, ça se complique un peu. On a les énergies des planètes en cause, quelles qu'elles soient, qui sont en quelque sorte un peu étouffées. Qui sont en quelque sorte qui agissent surtout à un niveau inconscient. C'est-à-dire, si vous préférez, la personne a du mal à conscientiser les maisons Vénus. Si elle est maître de la maison 3, c'est dans la maison 3 que vous trouverez une issue, justement, qui vous aidera à maîtriser cette planète interceptée. C'est un peu comme ça que ça se passe. Il y a d'autres possibilités. On peut être aidé aussi par autrui pour un axe intercepté ou des planètes interceptées. Par exemple, quand vous faites une synastrie, une comparaison de thèmes, si vous avez, vous, par exemple, un axe, admettons, 0 Sagittaire intercepté avec des planètes sur cet axe, si vous rencontrez quelqu'un qui, lui, par exemple, a un axe ascendant-descendant au milieu de ciel contre ciel, qui tombe justement, qui se superpose à votre axe intercepté, il peut vous aider à prendre conscience des énergies bloquées, entre guillemets.
Vous comprenez, c'est pas ça, c'est ça. Vous avez suivi, moi j'ai pas très bien suivi. Je ne sais pas, poser des questions s'il y a quelque chose qui vous semble pas clair. L'issue de la planète inversée. Moi je voulais dire, est-ce que vous êtes aussi d'accord sur le fait que pour récupérer le signe des planètes inversées, il faut développer et travailler le signe pour rééquilibrer le signe d'où. Les signes, vous avez deux. Pour rééquilibrer, enfin, en astrologie karmique, c'est comme ça que ça se. Je voulais savoir si vous aviez également cette notion. Pardon, oui, d'accord. Voilà. Donc, rééquilibrer voilà, la perception par. Voilà, c'est ça. Il faut d'abord maîtriser en fait les mises en lien, bien les utiliser, pour pouvoir après utiliser le potentiel créateur enclos, donc dans le signe intercepté. Oui, je suis tout à fait d'accord, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Et si cette planète interceptée est en domicile? Si c'est la planète, très bonne question. Bah oui. En effet. Bon, elle sera théoriquement plus facile à conscientiser parce que si on est domicile, elle sera peut-être plus forte. Elle ne dépendra pas d'une autre planète. Bon, ça, on le voit dans le cas de personnes, ou par exemple des acteurs, bon, je ne me rappelle pas les noms comme ça, mais qui ont par exemple le Soleil en Lion intercepté et qui le développent très très vite, très très tôt. Oui. Oui, je suis d'accord, mais je pense qu'il le développe plus vite parce qu'il le développe plus instinctivement que par prise de conscience. Oui, tout à fait. Parce que oui. Cette planète en signe, finalement, correspond à une conjonction. Oui, exactement. Oui. Je suis d'accord. Et d'où vient le problème? Oui, s'il vous plaît. Parce que quand il y a problème, il faut toujours savoir d'où il vient. Si c'est comme quelqu'un qui est malade, il faut savoir quel est l'organe malade. On cherche d'où vient le problème fonctionnel ou lésionnel. Non. Si vous avez, admettons, nous allons prendre mon cas. On parle jamais aussi bien. Voilà, c'est-à-dire, ascendant en Sagittaire, avec une maison 12, à 3 degrés et 20 degrés dans Jupiter. Je n'ai pas de planète, non. Jupiter est donc maître à la fois de 12 et de 1. Bien. Donc, il va falloir que j'intègre dans ma personnalité un, moi, mais il faudra encore savoir ce que c'est que un. L'ascendant, qu'est-ce que c'est? C'est moi. Oui, mais moi, quel moi? Tout le monde parle du moi, mais personne ne dit lequel. Or, nous avons plusieurs moi. Moi, j'arrive au monde. Je n'ai aucune influence. Je n'ai que ce que mon héritage m'a donné, et en même temps ce que j'ai de congénital, c'est-à-dire de particulier, c'est-à-dire un plus un égale un autre, si vous voulez. Donc, on pourrait dire que l'ascendant, c'est un plus un, c'est-à-dire mon père et ma mère, égale un autre, c'est-à-dire moi. Mais dans ce qui est absolument que je crache, je ne peux pas m'empêcher de sortir, c'est-à-dire spontané. Alors, je peux être le bébé dormeur, comme moi. Moi, je dorme tout le temps. Vous allez me réveiller. Ou alors, le bébé brailleur, sans aucun motif. Donc, le bébé brailleur a une agressivité que je n'avais pas, moi. Bon, et pourtant, j'étais ascendant sagittaire. Bon. Alors, il fallait donc 12, nous allons prendre 12, dans un sens de mystique. J'ai toujours été quelqu'un de mystique. Et j'ai fait exactement le processus contraire. On pourrait dire que je suis né curé et que je suis devenu athée au fur et à mesure de mon existence. Mais, alors d'autres me diront que j'étais peut-être évêque dans une autre existence. Mais moi, je ne sais pas. Là-bas, c'est trop loin, je m'en souviens pas. D'ailleurs, c'est ça le problème des vies antérieures, c'est qu'on ne s'en souvient pas. Et donc, ça lit 12 et 1. Il y a une chose qui est plus facile. Alors, donc, il va y avoir un problème d'intégration dans ma personnalité entre la spiritualité, la mystique, la foi, n'est-ce pas, mais aussi la pathologie. Or, moi, je suis né malade et j'ai commencé à être guéri à 25 ans. Le jour où j'ai dit, les médecins, ils m'ennuient, moi, je vais me soigner tout seul. Et ça marchait très bien. Peut-être que vous allez me dire, c'était psychologique. Je m'en fous, maintenant je suis guéri. Si vous avez par exemple un
et 2. Alors moi, quand j'entends 2 acquisitions, ça me fait bon. Parce que nous en sommes encore à ce qu'on écrivait dans les almanachs au Moyen-Âge. Mais les almanachs du Moyen-Âge, c'était vous et votre avenir d'aujourd'hui. Vous en venez à astre ou horoscope. Il y a quelques bons astrologues qui essaient d'écrire là-dedans pour essayer de faire passer un message, parce que malheureusement, dans d'autres revues qui pourraient être sérieuses, on vous ignore complètement parce qu'on est enfermé dans un système R.E.T. Et on n'a rien à faire, on ne peut pas rentrer dedans. D'abord parce qu'ils sont trop loin, ils sont près de la Belgique, là-bas, c'est au bout du monde. Et alors 2, 1. Maintenant nous savons que 1, c'est moi, c'est mon instinct, c'est la chose, ma personnalité spontanée, entachée d'aucune influence, d'aucune sorte. Ni de 4, ni de 7, ni de MC. Moi pur, nature. Et 2, c'est le plan d'action. Voilà ce que c'est. Le plan d'action. Parce que quand moi, j'ai envie, j'ai une pulsion, si je fais comme un, ou comme Mars, je vais foncer. Ah, je fonce. Et puis à un moment, je me dis, mais au fait, où je vais? Par où je dois passer? Parce que un fait ça. C'est une pulsion de départ. Il doit toujours consulter 2. Et les pauvres taureaux, on leur dit toujours, vous êtes lents, vous ralentissez, etc. Bien sûr qu'ils sont lents, parce que Mars, lui, il fonce, mais le taureau, lui, il n'est pas fou. Il dit, bon, où est-ce qu'on va? Voyons. Ah, alors on passe. Est-ce que ça place d'Italie, place d'Italie, et on va trouver la rue Tolbiac au numéro 177. Et comme ça, on arrive, on se gare, on est placé. Et donc, il va y avoir un problème entre la pulsion de départ et l'organisation du plan d'action. Il va y avoir, c'est-à-dire que 2 va se retourner contre 1, 1 va se retourner contre 2, et ils vont se tamponner tous les deux. Parce qu'ils ne vont pas se mettre d'accord sur le plan d'action. Alors il y a tout simplement à se dire, d'accord, je veux aller 177 rue Tolbiac, mais par où il faut que je passe? Alors taureau, maison 2, regarde sur le plan. Ça c'est ton travail. Et en 3, je descends dans le garage. Je prends ma super moto, pas celle de Carcassonne, de Narbonne, et je me déplace. Je peux aussi, avec 3, m'informer. Je peux prendre des mesures. Vous comprenez? Et avec 4, eh ben je vais arriver à l'endroit où j'ai prévu 4, la maison. Et vous verrez, je vous expliquerai le sens des maisons, car on fait 3 fois le tour du zodiaque. Et quand on a fait 3 fois le tour du zodiaque, c'est-à-dire qu'on a intégré parfaitement toutes les valeurs 3 fois du zodiaque, alors là, vous pouvez vous dire, je suis quelqu'un. Voilà. Je dois être un tour et demi. Vous disiez quelque chose, oui, oui, c'est intéressant. Vous disiez qu'étant enfant, étant venu, vous dormiez beaucoup. C'est pas étonnant, c'est la maison 10, c'est la maison du sommeil. Oui, bien sûr. Voilà. Voilà l'interprétation. Ah, ça, je dormais tout le temps. D'ailleurs, ça n'a pas changé. Alors, je suis capable de dormir 5 jours de suite. Il n'y a que le mal au côte qui m'empêche de dormir. Non, je suis d'accord avec vous, parce que moi, la maison 2, je m'appelle la maison de la concrétisation. Voilà, oui. C'est là. Concrétisation. Il s'agit de s'entendre sur les mots. Alors, il est évident que, il y a 4 ans, il y a 4 fois 3 ans. Et quand on a compris ça, on a dit bon. Et la tradition, à un moment donné, elle aurait mieux fait de se faire, parce que vous avez... Vous avez 1, 7, vous avez 10, et vous avez 4. Ça, c'est la première croix. Il y en a 3 de croix. Vous avez la deuxième croix, qui est 2, 8, 5, 11. Alors, s'il y a quelqu'un qui me dit
je l'amène avec moi en vacances. Excusez-moi, je fréquente que les palaces, ou alors de grands villas, de gens très bien, où on est parfaitement installé. J'appartiens aux gens qui aiment la qualité. Alors, qu'est-ce que c'est un sept cadets? C'est-à-dire la croix, l'ensemble de la croix. Alors, madame, ça ne vous explique rien. Cardinal pourquoi? La croix du départ et de l'initiative. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez de la manière de se laisser exprimer. Pardon, merci. Nous arrivons de quelque part. Nous sommes issus de quelque chose. Or, 1, 7, 4, 10, c'est hérédité. Hérédité. Autrement dit, 1, 7, 4, 10 va exprimer tout ce que nous avons hérité de nos parents et de nos grands-parents. Puisque 1, 7, c'est nos grands-parents et 4, 10, c'est nos parents. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir de 1, 7, 4, 10. C'est la chose la plus importante à savoir. Or, nous allons... Et en même temps, évidemment, ça nous donne bélier, balance, cancer et capricorne, qui veut dire la même chose. 2, 8, 5, 11. Non, mais attendez, est-ce que c'est Gaston qui fait l'exploit? C'est M. Lassalle? Vous avez compris? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, mais je voudrais quand même que M. Lassalle... Ah, ça y est, ça y est. Vous sentez-vous Sagittaire ou Capricorne? Non. Par l'ascendant. Alors, tout à fait, les soi-disant spiritualistes de l'astrologie ont rejeté. Avant d'être un spiritualiste, il faut faire trois fois le tour du zodiaque. Et à ce moment-là, on a à peine le petit doigt de pied qui rentre dans la maison 12. Et à ce moment-là, on a le droit d'y rentrer, mais pas avant. Trois fois, c'est ce que je vais vous expliquer. 1, 7, 4, 10, c'est 1, 7, les muscles. 4, 10, le squelette, c'est-à-dire mon corps. Ce qui me permet d'entrer en relation avec autrui. Et ça, c'est très important, effectivement, et la tradition a eu raison de dire que 1, 7, 4, 10, c'est-à-dire les anges, c'était ce qu'il y avait de plus important. Parce que notre corps, c'est ce qu'il y a de plus important. Parce que dites-moi si vous pouvez vivre sans corps. Moi, je n'ai jamais vu des âmes. Pour l'instant, je n'en connais pas. Je connais des gens avec qui j'entre en relation, qui ont un corps comme moi, pas aussi bien fait. Et mon corps, c'est vital. Parce que dans mon corps, il y a l'énergie. Et il n'y a pas un médecin au monde qui dira que le corps, ça ne vaut rien. Le corps, c'est important. 2, 8, 5, 11, c'est mon système glandulaire. Là, je prends le côté médical. C'est mon système glandulaire et mon système nerveux. 1, 7, 4, 10, j'ai dit donc que c'était mon corps. Or, toute autorité, toute manière d'approcher l'autre, c'est par mon corps. Je suis arrivé ici. Si j'avais été comme ça, et que je n'ai aucun impact, aucune présence, j'étais foutu. C'était vous qui aviez l'autorité, et moi qui ne l'avais pas. Je ne veux pas avoir une autorité sur vous, mais quand on veut être écouté des autres, il faut bien que les autres, quand même, vous écoutent. Et ferment leur bouche comme les Américains. Et donc, 1, 7, 4, 10 va représenter mon autorité, ma présence. Et si vous n'avez pas 1, 7, 4, 10 important, vous n'avez pas de présence. Donc, impossible pour vous de paraître derrière vous.
une estrade ou sur une scène. Il n'y a pas cette présence-là, quand même. Madame, à partir du moment où vous devez exercer une autorité sur autrui, vous l'avez d'abord par votre corps, parce qu'avant d'avoir parlé, avant de vous être dévoilé à fond, la première chose que voient les autres, c'est votre corps. Et essayez de vous souvenir, lorsque vous étiez petit enfant, et que vous voyez pour la première fois votre institutrice qui est rentrée dans la classe. Or, votre institutrice n'avait pas dit deux mots, elle n'avait même pas ouvert la bouche, que vous saviez si vous pouviez la chaluter, ou si alors il fallait faire attention. Moi, c'est ce qu'on se disait. Avec celui-là. Parce que rien que dans la manière dont il arrivait, on avait compris qu'avec lui, ça ne marcherait pas. Or, vous avez des gens qui se présentent et qu'on ne voit pas. Ils sont au milieu d'une scène, on ne les voit pas. Et vous en avez d'autres qui font rien. Et ils sont là dans le côté et tout le monde les voit. Donc, 1, 7, 4, 10, c'est le fait d'être vu. D'ailleurs, je vous signale que Bélier et Maison 1, c'est la vision. Or, dans la nature, un animal qui serait sourd, qui n'aurait pas d'odorat ni de goût, pourrait s'en tirer un certain temps. Mais un animal qui est aveugle, il est perdu tout de suite. Il ne peut pas subsister. C'est impossible. Il va être tué immédiatement. Donc, la vision, c'est la première chose qui fait partie de l'intelligence. Si l'homme n'avait pas eu la vision, nous n'aurions pu jamais trouver le moyen de communiquer directement avec les autres, d'abord par la vision et par l'expression. Et donc peut-être nous n'aurions pas été capables de trouver un langage en maison 3. En maison 2-8, c'est donc les systèmes glandulaires qui régit toutes nos émotions. Et deux, c'est l'acquisition. Pourquoi ? Non pas pour parce que ça fait gagner de l'argent, mais parce que j'ai envie d'une certaine qualité de vie. Et que je sais que pour avoir une certaine qualité de vie, il me faut de l'argent. Donc j'ai un comportement émotif qui me permet d'être intéressé par la qualité. Donc automatiquement, je vais risquer mes billes pour gagner le plus d'argent possible. Voilà comment, avec un amas en maison 2, on devient riche. Ou bien qu'on devient autre chose. Parce qu'une maison 2, c'est loin d'être que l'argent. Hein? Je vous ai dit que c'était le plan d'action. Bon. La maison 3-9, c'est-à-dire 3-9-6-12, c'est le mental, c'est l'esprit. Donc nous allons appartenir à des types, c'est-à-dire que nous allons être physiques, ou émotifs, ou mentales. Et suivant que nous appartenons à ce type précis, ou à des mélanges de types, nous allons avoir des comportements et des aptitudes spéciales. En général, par exemple, chez les médecins, on doit toujours trouver 3, 9, 6, 12. Parce que dans 6, 12, nous avons la médecine, par exemple. Hein? Ou l'écriture, avec 3-9. Hein? Alors, on arrive à départager ainsi des types, de telle manière qu'on sait qu'un physique va toujours commander, et se débrouillera toujours pour être le chef de quelque chose, un émotif va créer, et un mental va copier. La plupart des astrologues sont mentaux, et ils ne savent que reproduire toujours inlassablement la même chose, c'est-à-dire ce qu'on a fait déjà. Et ils ne sont pas capables de créer. Les mentaux ne créent jamais. Voilà un sujet intéressant. Comment on est mental et comment on est physique. Voilà, l'orateur qui répond, parce qu'il a voulu préparer quand même. Bon, je suis pas d'accord déjà qu'on dit que le mental n'est pas créé. Bon, d'un autre côté, les astrologues ne sont pas tous mentaux, puisque moi je suis mentaux. Mais vous ne savez rien, comment on reste. Je sais, dit quand même. Vous êtes ascendant quoi? Je suis ascendant bélier. Bon, alors déjà, vous êtes héréditairement, vous êtes un physique. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous recherchez le pouvoir et l'autorité. Non, mais sur le problème de quelle que soit votre configuration personnelle, que pensez-vous de cette idée que les astrologues.
les Fox sont des
Mars peut être transcendé par Pluton. Les fixes Vénus peuvent être transcendées par Neptune. Et les mutables Mercure peuvent être transcendées par Uranus. C'est-à-dire, dans un thème, quand je vois des carrés ou des oppositions dans les signes cardinaux, je regarde où est Mars et où est Pluton. Quand je vois des carrés ou des oppositions en signes fixes, je regarde où est Vénus et où est Neptune. Et quand je vois des carrés ou des oppositions... Je disais que lorsque j'interprète un thème, lorsque je vois des carrés ou des oppositions en signes cardinaux, je regarde dans le thème où est Mars et je regarde où est Pluton. Pour les signes fixes, je regarde où est Vénus et ensuite où est Neptune. Et pour les signes mutables, je regarde où est Mercure et ensuite Uranus. Et ça me donne une technique d'interprétation, ça me permet d'aider les gens pour leur montrer comment ils peuvent transcender les problèmes indiqués par les carrés ou les oppositions. Et ça marche assez bien. Donc je vous propose ça comme réflexion. Et donc ça rejoint un peu ce qu'a dit M. Marès avec ces trois catégories. Il y a trois catégories. C'est-à-dire les signes cardinaux, Mars, Pluton, le plan physique, matériel, les signes fixes, Vénus, Neptune, le plan émotionnel et sentimental, et les signes mutables, le plan mental, avec Mercure et Uranus. Et Jupiter, Saturne, et qu'est-ce qu'on en fait ? Et les autres, qu'est-ce qu'on en fait ? Bon, alors je vais vous montrer autre chose. Voilà pour moi comment ça fonctionne. Voilà vos 10 planètes. Pour moi, on s'incarne et on a une personnalité. C'est la Lune, le moi inférieur. Avec les trois plans, Mars plan physique, Vénus plan émotionnel sentimental, Mercure plan intellectuel. Là, c'est le plan social, Jupiter d'un côté, Saturne de l'autre. Et au-dessus, c'est le moi supérieur, le Soleil ou individualité, avec les plans supérieurs qui correspondent. Vénus-Neptune, Mercure-Uranus et bien sûr Mars-Pluton. Voilà pour moi comment l'astrologie fonctionne. Donc je vous propose ça comme plan de réflexion. Et en interprétation, évidemment, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je tiens compte de ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire avec les carrés, les oppositions, enfin, tout problème qui peut avoir lieu sur un plan peut être transcendé sur un plan supérieur, si la personne, évidemment, fait les plans nécessaires. Alors ça, c'est quand même... Est-ce que vous avez l'impression, en projetant ce système, d'innover par rapport à la tradition ? Oh, je pense pas, non, parce que c'est ces symbolismes des triangles que l'on doit fusionner, ça existe depuis tous les temps dans la tradition initiatique. Bon, vous avez des symboles, l'étoile de David par exemple qui montre bien ça, j'ai rien inventé, c'est une traduction. Bon, alors, j'ai adapté certaines connaissances initiatiques qu'on retrouve un peu dans... Nous allons passer au prochain conférencier, parce que là, est-ce que vous avez encore quelques mots qui... sur le thème de votre intervention, les planètes, les maisons interceptées, les maisons liées, avant de laisser la place à... C'est que si quelqu'un a une question sur ce que j'ai dit, sur les maisons interceptées, planètes ou autres... Oui, ça va partir. Il y a une hypothèse qui dit souvent que la maison qui précède et qui suit l'autre maison, il y a une forme de sinusoïde, que ce qu'il y a le plus dans une maison, juste la maison qui suit, c'est ce qu'il y a de moins. Et quand vous avez des maisons liées, est-ce que le contraste ne se modifie pas? Il faudrait déjà être d'accord avec votre théorie. Vous avez compris? Mais il y a la théorie du sinusoïde qui fait par exemple que l'excès d'énergie du bélier, si c'est l'excès du bélier, c'est ce qui manque dans le taureau, qui est juste le signe qui suit. Et ce qu'il y a en excès dans le taureau, c'est ce qui... Et dans les maisons, ce serait pareil. Ce serait pareil pour les maisons. Oui. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, la confrontation de l'un et de l'autre. Mais dans les maisons liées, cette sinusoïde existe-t-elle toujours? Parce que pourquoi cette sinusoïde existe
Oui, mais là, dans les maisons liées, vous n'avez affaire qu'à un seul signe. Il y a deux maisons. Oui. Donc je pense que votre théorie se complique dans ce sens. Oui, enfin, elle s'accentue si vous avez dans votre thème un carré, par exemple, Mars-Vénus. Sous un 1, 2, Mars 1, Vénus 2. Ça s'accentue par le carré, et s'il n'y a pas de carré, ça se multiplie. Et si vous avez, par exemple, aussi le maître de ces deux maisons, qui est en carré ou en opposition, avec le maître qui se trouve à l'exaltation dans ceci. Si vous prenez le bélier, par exemple, si vous avez Mars carré Soleil, alors à ce moment-là, ça va considérablement se multiplier. Monsieur Ekel, vous avez quelque chose à dire pour terminer? Eh bien, dans ces maisons... Oui, je pense avoir remarqué, en ce qui concerne par exemple les musiciens, que les musiciens qui jouent un instrument, aussi parfaitement qu'ils doivent, à part les grands violonistes qui ont fait des tournées, et un compositeur, n'est-ce pas, c'est sa marque. Ainsi, je crois d'abord me souvenir que Mozart, Et c'est que leur talent est inscrit dans des maisons, dans les deux maisons d'intercepté, ça qui se Alors que d'habitude, le musicien, le grand, très bon musicien, c'est la classique. C'est-à-dire, il est un bon instrumentiste, il est un manœuvre de l'instrumentiste. Oui, mais là, nous avons des musiciens vraiment à grande vocation. Voilà. Oui, c'est ça. Les grandes vocations, parce que 5, c'est la vocation. Ça coule de source. Et 6, c'était 5 bons, c'est la vocation, et 6, tout, c'est la musique. C'est ça. Alors, si nous avons vraiment une vocation qui est née avec l'individu. Ah oui, absolument. Voilà. Impossible de faire que ni Chopin, ni Mozart, pas de la musique, monsieur Bilbet. Attendez, juste 20 secondes pour terminer. Il vous reste 5 personnages connus de nous tous qui ont justement Uranus intercepté dans leur thème. Dernier roman, Georges Muchery, André Barbeau, Hadès et Michel Gauchin. Vous avez une bonne collection de la naissance d'astrologues. J'en ai une vingtaine. Ne résiste pas à publier leur propre thème. Bon, voilà, nous allons passer, nous avons encore un venu très copieux. Thank you.
Alors, vous connaissez certainement les ouvrages de René Morlaix, L'astrologie horaire, paru à l'Espace Bleu. Vous pouvez trouver d'ailleurs en librairie aussi. Alors, je suggère, enfin, il faut toujours un petit peu improviser, je suggère que nous considérions ces deux exposés comme faisant un tout, n'est-ce pas? Et donc, je suggère que dans un premier temps, si M. Bellier le veut bien, dans un premier temps, on s'interroge sur la légitimité, tout simplement, de pouvoir faire des thèmes sans connaître l'heure de naissance. C'est une question que je poserai aux deux personnes. Et après, chacun fera son exposé comme prévu. Bon, disons que c'est un peu en dehors de mon sujet, bien sûr. Je pense que c'est par la maison, et qui dit maison, il y a ascendant, il y a l'ascendant, il y a exact. Donc, ah oui, d'accord. Il y a l'effet de maison solaire, c'est pas ça, votre sujet? Mon sujet est en suivant, il est le soleil dans les maisons. Le soleil dans les maisons, voilà. Bon, le sujet est double en fait. Premièrement, je voudrais simplement porter votre attention sur le fait que le soleil est non seulement dans un signe, peut-être du signe du bélier, du taureau, du gémeaux, etc., gémeaux, mais que également le soleil est dans une maison. Et lorsque, souvent, maintenant où l'astrologie se vulgarise beaucoup, il est de bon ton dans tous les salons de demander de connaître le signe de l'autre, sans pour autant d'ailleurs connaître l'astrologie, mais parce que ça fait partie des modernités actuelles, eh bien il serait également très important de connaître dans quelle maison se trouve le soleil de l'autre. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui répond à tel ou tel signe officiellement, eh bien très souvent vous êtes surpris de découvrir qu'il n'est pas complètement correspondant, ou que son attitude n'est pas complètement correspondante à son signe. Vous pouvez très bien avoir un bélier, ce bélier vous paraît un peu du genre mouton, par exemple. Bon, vous pouvez très bien avoir tel autre signe, un poisson, qui peut vous paraître tout à fait vigilant, scorpion. Bon, et vous êtes quelquefois un peu étonné ou un peu perturbé. Bon, d'après mes recherches, et surtout d'après mes recherches en entreprise, il faut, à mon avis, d'abord porter l'accent sur la maison dans laquelle se trouve le soleil, savoir si le soleil se trouve en maison 2, en maison 3, en maison 10, en maison 12, etc. Là, évidemment, c'est un peu difficile pour moi de parler maintenant, parce que j'ai souvent l'impression, en venant ce colloque, que le public est parfois plus savant que les conférenciers. Et donc, si je commets quelques erreurs, je voudrais ne pas trop m'en vouloir. Mais je crois qu'en disant entre initiés, et j'ai souvent remarqué que des amateurs poussaient peut-être quelquefois beaucoup plus loin l'astrologie que des professionnels, qui sont malheureusement obligés d'en faire un commerce, et qui sont malheureusement obligés de travailler très vite. Madame, vous pouvez venir. Alors, il s'agit ici d'une conférence débat. Surtout, je vous en supplie, n'hésitez pas à intervenir, mais surtout à être contradicteur, parce que d'abord j'adore ça, et ensuite ça peut créer des problèmes. Donc, premier point, le soleil dans les maisons. C'est-à-dire que vous avez encore une fois remarqué que votre signe n'expliquait pas tout, et je vous demande simplement de consacrer une minute à penser pour vous personnellement, dans votre propre cas, dans quelle maison se trouve donc ce soleil, votre soleil natal. Et si ou non ça correspond vraiment à ce que vous êtes, je dirais profondément. Bon, il est bien évident que si votre soleil est en maison 1, vous sentirez le bélier, même si vous êtes d'un signe beaucoup plus, je dirais, moins tonique. Il est évident que si votre soleil est en maison 2, vous aurez un comportement souvent de taureau ou assimilé, c'est-à-dire une profonde jalousie, par exemple, et qui ne se situera pas forcément par votre thème natal. Il est bien évident que si vous avez un soleil en maison 3, au niveau d'un astrologue d'entreprise que je suis, eh bien, on vous mettra forcément sur la route. Et je dirais qu'on ne tiendra pas tellement compte de votre signe solaire, mais exactement de la maison dans laquelle se trouve votre soleil. Si vous êtes du signe de la maison 4, eh bien, vous serez très curieux de découvrir que, en général, vous habitez la maison de vos parents, que vous reprenez une entreprise familiale, où d'un côté, vous ayez une femme très féminin, et que, quel que soit votre signe solaire, eh bien, vous n'aurez pas cette tonus ou cette approche de ce signe. Si vous êtes en maison 5, il est bien évident, on en a parlé tout à l'heure par exemple, que votre dominante sera essentiellement théâtrale et que votre vie sera un show, qui sera d'ailleurs un plaisir autant pour vous que pour les autres. Prenez par exemple maintenant un bélier avec une maison et un soleil en 6, eh bien vous serez étonné de voir le côté timide, pudique, réservé de ce petit bélier, tout simplement parce que en réalité il est plus marqué par la maison 6 qui est une signe de vierge, que par le bélier en tant que tel. Et ça vous permettra de beaucoup mieux comprendre pourquoi vous vous sentez bloqué, pourquoi vous êtes en attente d'une directive, pourquoi vous avez envie de rendre service, et pourquoi vous doutez de vous. Et j'ai vu beaucoup, par exemple, de béliers soleil en 6
allait chez un psychanalyste parce qu'il ne comprenait pas en tant que délié pourquoi il était bloqué. Bon, en fait, à partir du moment où ils ont découvert l'astrologie et surtout la maison dans laquelle se trouvait le soleil solaire, eh bien, j'ai limite qu'ils ont fait, je dirais à la limite qu'ils ont fait une grosse économie, ils n'avaient plus besoin de psychanalyste, ils avaient compris. Bon. Mais ils ont mis souvent beaucoup de temps et beaucoup d'argent à comprendre. Le soleil en maison 7, c'est pareil. Si vous êtes un signe de leader, c'est un signe de pionnier, c'est un signe de battant, eh bien, malheureusement, si vous avez un soleil en maison 7, vous serez balance ou assimilé balance, ce qui fait que vous ne pourrez pas agir seul. Et vous serez essentiellement obligé d'agir en comportement avec les autres. Essentiellement en comportement avec les autres. Et automatiquement, vous apercevrez même que l'élément valorisant de votre vie ne sera pas vous, mais l'autre, parce que le soleil en fait. Donc le soleil, surtout pour une femme naturellement, c'est l'homme, donc l'autre qui est valorisé. Soleil en 8, et bien on va forcément retrouver un côté scorpion. Et encore, si vous êtes un signe plutôt timoré, de naissance solaire, ne vous étonnez pas si dès 15 ans vous faites votre première conquête, si à 30 ans vous avez un carnet de bien rempli, et si à 50 ans vous pouvez reposer sur vos lauriers. Tout simplement parce que vous êtes un scorpion bagarreur et agressif, et qu'à tout bagarreur et agressif, il y a un marché qui se mêle. Ce qui veut dire que toutes les relations, si c'était un soleil en mettant 8, à la fin des scorpions, eh bien à la limite, je dirais que rien ne vous est impossible, et que vous devez essentiellement valoriser ce côté-là. Cela peut également expliquer beaucoup de qualités, je dirais, de médiumnité. Et vous remarquerez que dans beaucoup de thèmes de médiums, pas forcément l'astrologue, moins le médium, eh bien, vous avez très souvent le soleil en maison 8. Je dirais également que ce sont des personnes très difficiles à vivre, qui sont toujours en état d'affrontement, et qu'il faut être avec eux extrêmement dur, extrêmement directif, extrêmement direct, surtout leur dire la vérité, si la vérité, c'est mal à dire. Parce qu'il aura le comportement d'un scorpion, et donc il vous reconnaîtra si vous vous battez avec lui en égal. Si vous commencez à baisser les bras ou les épaules, eh bien il ne fera qu'une bouchée de vous, et il essaiera de vous tuer, de manière à provoquer chez vous une espèce de sentiment de sélection naturelle pour vous permettre de revivre, hein, sachant que le scorpion, essentiellement la mort reste. Soleil en maison 9, eh bien vous le reconnaîtrez tout de suite, vous aurez donc ses voyages, ses professeurs, ses notables, avec un petit côté souvent imbu de lui-même qui est propre au Sagittaire, mais qui peut plaire d'abord, et ensuite qui est très utile pour une société où chacun a sa place. Ensuite, vous avez un soleil en maison 10, et là c'est assez drôle aussi parce que, quel que soit votre signe, eh bien vous apercevrez que vous avez un côté tardif dans votre vie, un côté un peu économe, qui ne s'explique absolument pas par la position de votre soleil. Sauf si naturellement votre soleil est lui-même en Capricorne, en Vierge ou éventuellement en Taureau. Un soleil en maison 10, on les trouve très souvent naturellement dans tous les thèmes de personnes célèbres, mais je dirais célèbres tardivement. Alors que naturellement, des personnes célèbres très tôt dans leur vie, bien vous trouverez d'autres éléments, notamment un soleil en maison 3, ce serait logique, c'est ces deux gémeaux, hein, entre autres. Bon, soleil en maison 12, et là, certains ici ont... Pardon. Soleil en maison 11, c'est donc forcément le côté gémeaux altruiste, c'est certainement l'actrice d'Amélie. C'est le côté complètement altruiste du Verseau, des amis, de tout ce qui est le moderne. Et c'est essentiellement la liberté. Si vous avez le malheur, vous, hommes, il y en a moins ici aujourd'hui, c'est le malheur d'avoir une femme gémeaux et qui est en plus un soleil en maison 11, eh bien, sauvez-vous tout de suite. Vous aurez affaire à quelqu'un qui est essentiellement indépendant, qui ne supporte pas la contrainte, et qui non seulement ne la supporte pas, mais j'ai remarqué, a tendance à interpréter ce que vous lui dites comme une contrainte. Et ça, c'est dramatique, et ça crée des conflits terribles. Hein. Donc, méfiez-vous ou alors, surtout, soyez assez habile pour en tenir compte, et faire vraiment l'hypocrite, et donner des ordres, surtout que la personne le sente. C'est très important, parce qu'on trouve beaucoup de soleil en maison 11 dans toutes les personnes qui veulent s'affranchir à tort ou à raison, de la famille, de l'éducation, de la religion, de la politique, etc. Bon, on sait très bien de gens de gauche qui voient de droite ou l'inverse, par exemple, on a vu ça récemment. Et donc, on trouve beaucoup d'anarchistes. Des noms. Soleil en maison 12, bon, c'est vraiment pas un cadeau. Vraiment pas un cadeau parce que, évidemment, ça correspond à un signe quand même qui souffre, les poissons, et pire encore, qui quelquefois apprécie sa souffrance. Donc là encore, si vous avez autour de vous un soleil en maison 12, je dirais pas de cadeau.
pas de cadeau, parce que la personne peut vous entraîner dans ses bas-fonds de misérabilisme et de souffrance et vous faire plonger dans des faux problèmes dont vous devez absolument, non pas la sortir parce qu'elle est de ça, mais vous dégager vous-même. Et je crois qu'il faut absolument être traitable et impitoyable, parce que sinon vous rentrez dans ton jeu et vous perdez complètement le sens de la réalité et du dynamisme. Bon, ça c'est extrêmement rapidement le soleil en maison. Désolément pour retirer votre attention sur ce point, sans rentrer dans la technique, nous prenons beaucoup de temps. J'aurais quand même fait remarquer qu'on m'a demandé de faire des études sur les prématurés. Et j'ai souvent remarqué qu'un prématuré, exemple, qui était né Sagittaire, mais tiré du naître Capricorne, eh bien, avait très souvent un amas planétaire ou même un soleil en maison 9, en maison 10. Bon, c'est-à-dire qu'il naît Sagittaire, mais en fait, la dominante, je dirais, est bien la dominante Capricorne, donc maison 10 ou assimilée, parce qu'il était peut-être prévu qu'elle naisse Capricorne. Alors évidemment, on peut en discuter à l'infini, parce que certains diront que c'est un karma, qu'on n'aime pas trop tôt par hasard, d'autres diront que c'est un accident, mais dans tous les cas de figure et sans porter de jugement, eh bien, j'ai constaté qu'un prématuré, il y avait souvent une dominante dans la maison qui correspond au signe dans lequel il aurait dû naître. Bon, et évidemment, il fallait faire des statistiques énormes pour en avoir confirmation, mais c'est quand même une approche intéressante. Vous engagez du temps, vous avez quel meilleur soleil? Ça dépend de l'emploi. Ça dépend de l'emploi, parce que quand vous travaillez en entreprise, vous avez soit on vous demande exactement le fond. Le fameux soleil en maison 11 à ce moment-là. Alors, vous le trouvez surtout pour les créateurs, pour les professions indépendantes, pour les personnes qui vont pouvoir travailler en marginaux ou en freelance. Et qui vont travailler à l'extérieur de l'entreprise, avec des horaires complètement indépendants, en équipe, mais complètement individuelle. Vous voyez? Bon, il est évident qu'un soleil en un, ce sera forcément bon pour un leader, etc., etc., en deux pour un trésorier, etc. En sept plutôt pour un emploi subalterne, mais librement consenti. Et effectivement, on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose de très important. Le deuxième point au niveau des maisons, soleil en maison, est suivant. J'ai donné beaucoup de conférences au cours desquelles on demande de faire des prévisions. Il est bien évident, quand on fait des prévisions pour des personnes dont on ne connaît pas l'heure de naissance, on n'a pas le temps de calculer l'ascendant, on est obligé de tricher. Hein, on est obligé de tricher, et personnellement j'adore ça. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre l'ascendant étant la maison 1, eh bien on prend tout simplement le soleil égal la maison 1. Exemple, vous naissez du style des Gémeaux, du signe des Gémeaux, la Lune se trouve ce jour-là dans le signe des Cancers, donc en maison 2 par rapport au signe solaire, donc vous calculez sur la deuxième maison. C'est pareil, c'est complètement mathématique. Alors évidemment, sur le plan déontologique, c'est extrêmement indiscutable. Hein, et à la limite, ça ne s'explique pas. De même que pourquoi calculer un degré égal un jour, ou un degré égal un an, ou un jour égal un an. Bon, pourquoi pas. Hein. Bon, l'important, c'est le résultat. Et curieusement, eh bien, quand on fait des études avec ce type de prévision, eh bien, on tombe souvent, très très souvent d'accord. Si par exemple vous êtes un Tessin, le signe du lion, et que vous apercevez pour une certaine période que par rapport à votre signe du lion, Uranus se trouve dans votre maison 5, c'est-à-dire donc le cinquième signe après, le lion, eh bien ça va complètement valoriser effectivement votre vie sentimentale avec le côté inattendu dans le bon sens ou dans le mauvais sens d'Uranus. Bon, pourquoi ça marche, personnellement je n'ai jamais compris, mais je l'ai utilisé avec intérêt. Et comme en tant que conférencier, ou même dans certaines prévisions pour les revues, on n'a pas le choix, parce qu'on s'intéresse à quelqu'un de global, à un signe global, eh bien, il est quand même intéressant de savoir que c'est une dynamique qui marche. De même qu'on a remarqué, par exemple, que la plupart d'entre nous étaient assez fatigués ou assez malades lorsque le soleil était en maison 12. Pour eux, si vous êtes, par exemple, bélier, le soleil sera donc en maison 12 en poisson. Et vous remarquerez que le mois qui précède l'anniversaire, très souvent, correspond à un mois de fatigue. Pourquoi? Parce que, effectivement, le soleil est dans votre maison d'eau. Vous voyez? Alors, évidemment, ça paraît un peu simpliste, mais c'est pas mal de temps d'être simple, et très, très souvent, ça marche. Donc, les systèmes des maisons sont très, très positifs à exploiter. Il y a tous les systèmes. Par exemple, à Jupiter, à mettre les 12 maisons de Jupiter par rapport à la position de la Terre. Oui. Qui est très intéressant. Oui. Donc, alors, avant qu'il arrive à sa position natale, il y a toujours une maison 12, une sorte
Oui, oui, tout à fait. Et vous trouvez la même chose également au milieu de l'année par rapport à votre naissance, où le soleil se trouve en maison 6, et vous trouverez également une période, bon, je dirais, de baisse de régime. Pourquoi le soleil en maison 6 par rapport à votre soleil natal? C'est la même chose au niveau du soleil en maison 7. Encore une fois, c'est extrêmement simple et c'est complètement discutable, mais l'intérêt, c'est que ça marche. Et un astrologue, si vous voulez, fait souvent plusieurs approches. Et il compare si les révolutions solaires, les progressions symboliques, etc., correspondent. Et si sur tous les cas de figure, on a le même verdict, on peut se permettre de dire à son client, à ses clients, à telle époque, il risque de vous assurer d'arriver ceci. Sachant que l'astrologie est symbolique, et qu'à partir de trois éléments, tels qu'un signe, une planète et une maison, vous pouvez en tirer 20, 25 ou 30 ou 200 événements différents. Vous voyez pourquoi? Parce que par exemple le cancer dont on parlait la dernière, c'est aussi bien l'eau, ça peut être une noyade, c'est aussi bien la mer, ça peut être une naissance, c'est aussi bien un lac, c'est aussi bien un miroir, vous pouvez gâter votre glace ce jour-là. Bon, il y a une infinité, infinité de traductions possibles. Et très souvent en plus, c'est des événements qui arrivent de manière synchronisée. Neptune, c'est l'eau. Si vous avez une manière d'avoir une baignoire chez vous, bon, méfiez-vous, les jours où vous avez conduit de Neptune, vous êtes pratiquement assuré d'inonder votre voisin. Bon, à quelque chose près. Mais Neptune, c'est également le rêve, la drogue, la poésie, etc. Donc vous pouvez très bien le même jour apprendre que vous avez un enfant qui se drogue, Neptune par maison 5 en transit, et puis le même jour découvrir que votre baignoire fuit ou que votre voisin porte plainte. Bon, c'est parfaitement normal, parce qu'il y a plusieurs événements qui viennent, et chacun rentre complètement dans le symbolisme des planètes, des signes et des maisons, et des naturellement. J'aurais également ajouté une dernière chose avant d'entamer un débat, parce que je serais ravi qu'il y en ait un, c'est de vous signaler qu'un thème, en fait, est très souvent, en dehors des données mathématiques, un support de voyance. Et peut-être qu'une des raisons pour lesquelles on peut, à partir des maisons solaires, en tirer des conclusions, c'est que quelque part, un astrologue, au bout d'un certain temps de travail d'astrologie, est obligé de devenir médium. Et c'est tellement vrai que quand vous prenez le thème d'un individu, à la limite, ce thème, l'individu peut être aussi bien un enfant qu'un vieillard, qu'un homme mûr, parce que c'est le même thème pour toute la vie. Et quand vous prenez le thème, vous ressentez, vous êtes en rapport direct avec l'individu au moment précis où il existe. Et il est fort probable que dans les consultations astrologiques, il y ait un côté voyance qui transcende complètement l'astrologie. Et je dirais que c'est pas plus mal, parce que si vous partez du principe que vous êtes limité à des données complètement mathématiques, que c'est imparable, il n'y a plus qu'à vous flinguer, qu'à vous donner une balle dans la tête dans certains mauvais transits. Hein. Donc la voyance, si vous êtes très souvent de l'astrologue, hein, qui le fait sans le savoir, permet complètement d'apporter souvent une solution et de transcender le problème. Et lorsqu'on fait un peu de philosophie, de métaphysique ou de spiritualité, eh bien on s'aperçoit toujours que la démarche mentale part sur quelquefois un événement. Un événement est subi par nous. Bon, j'ai monté des thèmes de chevaux de course et j'utilise très souvent également pour les entraîneurs ou les propriétaires la position du soleil, parce que pour les chevaux de course, ça vaut très cher et très souvent on fait attention à l'heure exacte parce que c'est pas un chien ou un chat, ça peut valoir une fois plusieurs milliards. Bon, quand ça vaut plusieurs milliards, vous achetez un yearling qui n'a pas encore fait ses preuves, sinon il a le bon pédigré, si je puis dire. Bon, ça vaut le coup de dépenser 2000 francs chez un astrologue ou 300 francs ou 500 francs. Pour éviter de perdre de 200 millions par exemple. Bon. Ce qui est bien qu'à ce moment-là, on fait des thèmes au niveau des chevaux, on fait des thèmes, et là encore, on peut dire qu'il y a un côté à la fois voyance, et encore une fois, on transcende. C'est-à-dire que le cheval, par exemple, va être dépendant d'autrui. Donc il n'aura pas la possibilité de libre arbitre, et si vous voyez que le cheval a tel problème, c'est parce qu'il est asservi à l'homme ou qu'il s'asservit à l'homme. Si vous prenez un humain, de plus en plus évolué, il va sortir complètement de son karma et de son thème, et à ce moment-là, il aura possibilité, non pas d'échapper à son aspect, mais de le transformer en autre chose. Exemple, il est prouvé, comme le disait Socrate, que vous deveniez assassin, par exemple, c'était le problème de Socrate, eh bien, vous pouvez très bien tuer symboliquement une bouteille en chiffon, n'importe quoi. Il faut que vous commettiez l'acte, mais l'acte, vous commettez de manière rituelle, et à ce moment-là, vous échappez très souvent au destin. Vous avez remarqué également qu'au niveau de carré Mars-Pluton, dans quel que soit le thème, quand il y a un problème de violence ou d'automutilation, ce qui est très fréquent, si vous arrivez à sortir de cette violence, si vous cassez une assiette, n'importe quoi, si vous passez devant les yeux, devant la main, eh bien vous pouvez parfaitement, à ce moment-là, éviter la catastrophe prévue par le sage. Vous voyez? Donc c'est un moyen simple. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions d'ordre général.
chez nous. Je suis un peu intrigué par la vision fataliste de certaines des interprétations que vous avez proposées qui pour le reste sont intéressantes. Oui. En particulier, je pensais à la vidéo artistique dans la plus en France sur oui. 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 Je ne sais pas, par exemple, quand on sait que Neptune fait 160 il y a quelques années, à oui, oui. C'est pire quand même pour l'ordre. Je demandais que ça allait être les pompiers. Vous avez parfaitement raison. D'une part, mais d'autre part, il est certain qu'il s'agit de transit. Donc effectivement, Neptune va être tranquillement 31 ans à faire le tour, 125 plutôt, mais ce que je veux dire, c'est que les transits, eux, ne durent pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps, donc un transit peut durer de Neptune peut-être 3 ans. Il est bien certain que vous n'avez pas pendant 3 ans vraiment beaucoup d'études. Encore que, donc, quand vous achetez une maison, par exemple, si un transit de Neptune mal traité, vous pouvez pratiquement être assuré d'avoir des problèmes de gouttière toute la vie, durant que, tant que vous habitez cette maison-là. On va plus sérieusement, je voudrais par là que je ne crois pas qu'on va être aussi catégorique que dans les interprétations qu'on peut avoir des éléments. Pensez par exemple au thème de Yannick Noah, qui oui. A fait un modèle. On m'a dit ça. Il y a un soleil dans plein de ciel. Voilà. Il dit dans les Antilles, ce n'est pas spécialement, il n'est pas spécialement encore dans ce qu'on connaît. C'est vrai. C'est vrai. Si vous voulez pour en débattre, je dirais publiquement, il faudrait avoir Fontaine. Oui. Et voir s'il n'y a pas d'autres éléments. Une lecture, vous présente astrologie pratique. On est remarqué, mais on traite plutôt les problèmes généraux que les problèmes personnels ici. Voilà. Tout au moins tant je suis les bords de table. Pas d'autres questions? Moi je voulais savoir sur la position de la Lune, c'est vous faites peut-être hors sujet, mais je voulais savoir oui. Si par exemple une Lune en maison 3 pouvait être assimilée à un ascendant Gémeaux par exemple. Alors pour une femme, oui. Parce que ce que je vous ai dit, sur le soleil tout à l'heure en maison, peut-être plutôt valable pour les hommes, et effectivement, dans le cadre de l'entreprise, moi c'est ce qui se dit, on s'occupe également beaucoup en dehors d'une clientèle privée, eh bien, effectivement, la femme est davantage régie par la Lune. Et à ce moment-là. Je transpose ce que vous avez dit pour. Oui, tout à fait. Et je dirais même qu'un homme qui serait taureau ou cancer. Peut-être effectivement régi également par la Lune. Hein. Ce ne serait pas plus intéressant de dire la position solaire va donner le moi social, le comportement extérieur de la personne et la Lune va donner son c'est comportement plus compliqué. Intime. C'est plus compliqué. Enfin, l'émotion, sentiment. C'est plus compliqué. Disons que sur le plan de l'entreprise dont on parle ici, on fait davantage allusion au soleil parce que c'est le côté social. Hein? Donc c'est davantage soleil qui est le côté vital. La vie de famille, si vous voulez, d'un salarié, le directeur n'est pas exactement ce qui intéresse un cabinet de recrutement, par exemple. Hein. En fait, c'est intéressant parce qu'il est évident que s'il y a des problèmes conjugaux, il ne sera pas du tout performant. Mais ça, on va également le voir. Sauf s'il est représentant qui ne veut pas avoir que ceci. Oui, parfaitement. C'est vrai. Dans ce cas-là, c'est vrai. C'est exact. Monsieur. J'ai déjà pu remarquer dans le. Quand la Lune est cancer, disons, oui. Par rapport au Soleil, la Lune est dans la maison 2. Et par rapport à mon ascendant, elle est dans la maison 7. Oui. Alors, il arrive des événements par rapport à la maison 2 oui. Et la maison 7. Voilà. Quand elle est Lyon, la maison 3 et 8, c'est ainsi de voilà. Suite. Voilà. Complètement. Alors, je trouve qu'on doit même, dans un terme, qu'on connaît l'heure de naissance, soit la maison solaire et celle de l'ascendant. Complètement, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. La seule chose, c'est que, si je vais seulement faire remarquer, c'est que dans le cadre, quand on écrit pour une revue, quand on a une conférence, on n'a pas la donnée, on n'a pas la donnée de l'ascendant, le classique normal, on n'a pas l'heure de naissance. Donc on travaille autrement, et que ce travail autrement donne des résultats intéressants que vous pouvez utiliser en plus de vos connaissances. D'autres questions? Alors. Si vous parlez du soleil dans un signe et dans une maison, pour avoir vraiment la valeur de ce soleil, de cette personnalité, il va falloir non seulement s'adresser au signe, oui. Par exemple, une maison solitaire, oui, une solaire, oui. Il faudra peut-être, dans une maison, oui. Il faudra aller certainement trouver le maître du solitaire pour savoir ce qu'est ce soleil. Tout à fait. Donc, on passe si la maison est la maison verte, oui.
Eh bien, Sagittaire, c'est Jupiter, oui. Sagittaire, maison mère. Tout à fait. Donc le maître de la maison mère, c'est Jupiter. Tout à fait. Donc pour arriver à une interprétation qui va, comme vous le dites, toujours impossible, il y a l'annonce de la planète maîtresse, bien non sûr, seulement bien sûr. Du cycle, mais de la maison. Bien sûr. C'est le maître. Bien sûr. Et puis d'autre part, ce soleil qui sera maintenant en vierge, il faut aller chercher ce que signifie son Mercure, maître de la Terre, ce que signifie la maison 6 également. Donc nous avons là, nous faisons une synthèse beaucoup plus large. Riche, voilà. Après, complètement. Ce qui fait que vous pouvez savoir si, comme c'est arrivé récemment chez Marmadine, qui a oublié le dernier ordinaire, le gaz, côté un gémeau, oui. Il y a autre chose, elle est charmante, de façon différente, mais sournoise, le Mars fait solaire, le Neptune natal fait solaire, le maison 8 fait solaire. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec vous d'une part, et d'autre part, effectivement, j'ai souvent remarqué que le maître du soleil était souvent beaucoup plus intéressant que le maître de l'ascendant. Oui, pour corroborer ce que... Ah oui, parce que l'ascendant, c'est quand même la numéro 1, ce n'est pas le soleil. C'est la numéro 1. Est-ce qu'il y a d'autres... À une époque où justement c'était quand même un choix très difficile, dans la mesure où ça comporte des risques, ça peut donc coûter très cher à une entreprise. Je voulais dire, finalement, vous ne trouverez pas de temps encore à des gens qui parlent un autre langage, même s'ils ont fait appel à un autre langage pour recruter. Vous savez, quand on fait un compte-rendu à un employeur ou à quelqu'un qui a eu recrutement, on ne parle pas de la structure, on de terre, on écrit quelque chose, on met sur le site. On ne va pas dire Mercure, Vénus, Jupiter, Sagittaire, point. On va dire, il y a certains langages qu'il connaît lui. Bon, tu transposes ton langage. On adapte comme le fait un graphologue. Un graphologue, on va parler d'écriture déliée, etc. Penché, bon, on va parler de ça. C'est-à-dire, voilà, émotivité, affectivité, compétitivité, etc. Bon, le seul problème, c'est pour un astrologue d'entreprise, c'est un problème de déontologie. Jusqu'où doit-on percer le secret de l'individu? Parce que, d'abord, c'est tellement indiscret, astrologique, c'est terriblement presque. Si la personne a une menace de rupture, de se casser la jambe dans 6 mois, mais même que symboliquement ça fait dire une rupture, a-t-on ou non le droit de dire à l'employeur? Théoriquement, on est payé pour ça. Bon, en réalité, c'est un peu quand même un peu excessif. Oui, c'est votre compétence. Je ne parle même pas de compétence. Le problème, ce n'était pas là. Au niveau de la biologie, a-t-on le droit de dire et donner à l'employeur des éléments sont de la vie privée de l'individu, mais qui vont concerner très très vite l'entreprise. Tu n'es pas obligé de parler de son futur. Ce que l'on te demande, c'est son étude de caractère, en fait. Ben, oui et non, parce que c'est vrai. Mais d'un côté, l'employeur nous prend parce qu'on a une supériorité par rapport à l'anthropologue, dans la mesure où on est censé connaître l'avenir. Et si cette nous, on nous ben, oui. Si nous, on fait travailler, c'est qu'on apporte un plus. Ce plus, bon, il est déontologiquement litigieux. On ne va pas comme ça savoir que les problèmes de couple ultérieurs vont s'occuper de la. Ou alors les numérologues, on viendra même un proche, mais c'est peut-être moins, ils travaillent moins dans l'entreprise, mais bien également. Mais étant donné que ce fameux symbolisme de planète voilà. Peut effectivement signifier une même chose, on peut rester dans un domaine de potentialité. On peut rester dans le flou. À ce moment-là, non, flou, potentialité ne veut pas forcément dire flou, mais potentialité. Simplement. On peut, mais si vraiment et faire toucher du doigt ses potentialités par un individu qui devrait être à même, s'il est chef d'entreprise, de comprendre que ces potentialités existent et les prendre en compte et faire son choix lui-même en fait, entre fonction de ses potentialités. D'un côté. Souvent, elle demande quelque chose de précis. Les potentialités, c'est comment est-ce que vous pouvez aboutir à des précisions telles que Monsieur X va se casser la jambe ou va divorcer, alors qu'on vient de voir avec le Neptune que ça va du verre d'eau à la baignoire en passant par la noyade. Et justement, c'est vraiment ça le problème. Et donc, exactement. Vous ne pouvez pas être précis. Dans mais c'est le problème de tout astrologue. Il y a plusieurs degrés de précision. Si vous voyez par exemple le cas d'Uranus en maison 7,
Et Uranus en maison 7 peut parfaitement correspondre au divorce du conjoint. Donc à son divorce à soi, de son conjoint. Bon, ça va forcément avoir une implication au niveau de l'entreprise. Mais Uranus en maison 7, ça peut également tout à fait signifier que la personne devient indépendante. C'est-à-dire que sa relation avec l'autre, y compris avec l'employeur, devient indépendante. Parce que l'employeur, c'est également la maison 7. Bon, donc on sait que d'une manière ou d'une autre, la personne va être, je ne dirais pas indisponible, mais profondément traumatisée ou bouleversée par un événement. Et cet événement peut mettre en péril le poste professionnel pour lequel on le propose. Donc on sait qu'il y a peut-être 80% ou 90%, en tout cas plus de 50% de risque que la personne ait une rupture par conséquence au niveau de l'entreprise. Et si un chef d'entreprise donne l'annonce, le thème de quelqu'un, et que nous on voit que dans 3 mois la personne va partir, doit-on oui ou non lui dire, vous voyez? Normalement, il y a quand même, boulot, oui. Il y a quand même des cas où ces potentialités sont très réduites alors. Disons qu'il y a des cas où c'est relativement précis et donc réduit. Oui. Mm-hmm. Et tu tomberas dans le domaine d'entreprise, sachant que la maison 7 c'est l'autre, donc c'est également l'employeur. Vous voyez, dans ce cas-là précis. Vous voyez? Monsieur. Là, c'est dans le cadre d'un individu, mais lorsque vous avez par exemple une consultation à faire sur tout un service, 40 personnes, oui. Est-ce qu'il n'y a pas la tentation de faire des analyses réductionnistes et simplistes, justement? Ce qui ne veut pas dire ça. Je dirais de manière absolument horrible que c'est une question de budget. Hein? Bon. Et une question de temps. Et une question de demande de la part de l'employeur. Mais il est évident que vous avez raison, parce qu'on peut, on peut réduire. Mais c'est également valable pour des études graphologiques. Moi, il m'arrive également de faire des études graphologiques, si vous voulez. Bon, et on peut nous demander simplement de mettre un plus et un moins. Ça demande 3 minutes, crac, même pas. Bon, et enfin, en fait, je veux dire, on s'en tape 500 dans la journée. Bon, bah, je veux dire, c'est effectivement en réduit. Mais c'est partie de la démarche d'entreprise, et bon, on n'est pas là pour en discuter. Ou justement, se dire qu'il y a peut-être un effet de compensation dans la mesure où il y a un contact. Là, ça rejoint peut-être un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a un contact qui se fait avec le vivant, c'est-à-dire que l'entreprise, il y a un enjeu. Oui. Il y a même un enjeu des individus dans une entreprise. Oui. Oui. Et que là, les phénomènes de médiumnité, enfin, entre guillemets, ou de voyance, oui. peuvent permettre de compenser parce qu'il y a un contact, un contact social qui est important. Et puis, bon, évidemment. Il faut bien savoir que. Chaque entreprise correspond à une maison, de même que chaque entreprise correspond à un signe. Aujourd'hui, on parle donc de maison, non pas de signe. Et donc, on peut très bien situer telle catégorie d'entreprise dans telle maison et voir si, pour la personne, elle a une dominante ou du moins un certain nombre de planètes dans cette maison. De cette manière à savoir si, en dehors de ses compétences, elle est en plus en affinité avec le type d'industrie pour lequel elle travaille. Vous voyez? Si vous, par exemple, vous voyez beaucoup de personnes travailler pour en société d'intérim, beaucoup de Gémeaux. Beaucoup de persos. Dans le domaine de l'acier, vous verrez beaucoup de béliers. Dans le domaine de l'agriculture, de la politique, beaucoup de capricornes, etc. Vous allez donc dans le domaine du show, je dirais, du showbiz, beaucoup de lions, etc. Bon, une maison 5. Donc, vous pouvez également utiliser déjà et savoir si la personne, ça n'est pas demande du poste, si vous voulez qu'on lui propose dans l'entreprise, hein, du plus haut, plus bas ou l'inverse, en plus, elle est d'infinité avec le type d'entreprise. Regardez un poisson ou quelqu'un en maison 12. Vous verrez travailler souvent avec les hôpitaux, avec les prisons, dans le domaine médical, etc. Voilà. Monsieur, oui. Je voudrais apporter une précision, donner un exemple plutôt par rapport à la question posée par madame. Et il n'est pas possible, effectivement, lorsqu'on travaille avec des services de personnel d'entreprise ou des recruteurs, de faire des analyses très profondes. Mais moi aussi, je travaille en liaison avec les chasseurs de tête. Et je vais vous citer une anecdote qui s'est passée il y a 3 mois à peu près. J'avais un groupe d'une dizaine de personnes analysées pour un poste de directeur de marketing de niveau international, avec comme zone d'action les 3/4 de la planète, et des voyages constants, et la nécessité d'être capable de développer le chiffre d'affaires de 30%. C'était les contraintes données au départ. Parmi ces 10 personnes, l'une des personnalités me paraît parfaitement fragile. Je suis très ennuyé, je passe une soirée épouvantable en me disant qu'est-ce que j'écris. Je me force à écrire à peu près une page, ou une page et demie dactylographiée, j'appelle la machine, sur chaque personne. Qu'est-ce que j'écris? Si j'écris ceci, que cette personne est fragile et a un tempérament suicidaire évident, je l'élimine d'office. Si je ne le fais pas,
je risque, puisqu'elle a une certaine carrure intellectuelle et qu'elle fait partie des 5 dans la botte sur 130, je risque de lui coller un poste sur le dos qui l'amènera effectivement à... Finalement, parmi les études, j'ai glissé dans son étude cette remarque-là. Et quelques jours plus tard, au moment de la convocation par le chasseur de tête, il me dit, la femme de M. Intel a appelé en demandant quelle était la réponse pour son mari. Les réponses n'avaient pas été données au candidat. Et le chasseur de tête, il dit, ma première réaction a été de dire, madame, pourquoi ce n'est pas votre mari qui appelle? Elle m'a dit, bien, il est hospitalisé. Je lui ai dit, pourquoi? Il a fait une tentative de suicide. Alors, la réponse du chasseur de tête a été, ben, je ne sais pas, les études sont en cours, l'employeur le convoquera ou pas, c'est lui qui fait son choix actuellement, au revoir madame. Le code de déontologie personnelle est donc extrêmement important, mais il est extrêmement délicat de savoir en toute honnêteté ce que l'on doit taire et ce que l'on peut dire. C'est évident. Non, je vous remercie d'apporter de l'eau au moulin. C'est un professeur de danse de famille, une femme, qui s'intéresse beaucoup à une jeune femme, une jeune fille d'une quinzaine d'années, qui semble avoir une belle carrière. Et donc, ma fille qui est son professeur m'a dit, tu devrais faire son thème, me dire ce qu'il en est. J'ai bien vu que sur le thème, j'ai une enfant gâté, on va devoir préparer tout, etc. Alors je lui ai dit, très bien là, dis-lui qu'elle n'est pas à craquer si une épreuve arrive. Or, je lui ai dit à ma fille, tu t'occupes d'elle actuellement, quand elle sera rentrée dans ce conservatoire, où elle va rentrer, je t'en conjure, continue à la soutenir, parce qu'elle aura un moment difficile, et si tu es là avec elle, tu pourras continuer à la soulever, disons. Et bien sûr, ma fille m'a dit, oh, moi, ça va plus me faire. Et je pense qu'elle va louper sa carrière, parce que faute d'une aide, au moment où on voit dans son âme qu'elle est fragile, et qu'en ce moment, elle donne le maximum, qu'elle va rentrer dans son conservatoire, mais qu'une fois livrée à elle-même, eh bien, s'il y a une épreuve, je crois qu'il y aura une épreuve de santé de la mère, je ne l'ai pas dit, ni à ma fille, ni quoi que ce soit, mais il y aura une épreuve. Et là, est-ce qu'elle tiendra le coup? C'est dommage, parce que tu ne fais rien qui tiendra. C'est pas dramatique, pour autre chose. Monsieur, je voulais vous poser une question sur le monde. Il y a une société de quantité, une société aussi, là, parce que là, vous parlez de l'insertion. C'est comme Madame de Cour, en fait. Justement, je voulais intervenir à ce sujet. Oui. Je voulais intervenir à ce sujet pour savoir si vous faisiez des comparaisons de thèmes avec l'employeur, si vous faisiez le thème de l'entreprise. Alors là, je peux vous répondre. Monsieur souhaite répondre. Mais il est évident que lorsqu'on fait une étude de personnel pour une entreprise, en particulier une PME de quelques dizaines ou de quelques centaines de personnes, il faut monter non seulement le thème du cadre, surtout s'il s'agit d'un cadre supérieur de la direction, mais il faut monter le thème de l'employeur. Il était bien évident que l'introduction d'un nouveau cadre, en particulier d'un nouveau cadre supérieur dans une PME, modifie de par sa simple présence, même s'il n'y a pas de création de poste, modifie l'équilibre des rapports des forces à l'intérieur du brain structure du PDG, et il est absolument indispensable de savoir s'il y a un minimum d'affinité, de compatibilité entre l'employeur et la personne qu'il recrute. Et personnellement, je ne me suis pas gêné pour dire ce que j'en pensais à deux employeurs très récemment, et leur dire ce que je viens de dire, et même d'une façon très fracassante, puisqu'à ce moment-là, on intervient, je dirais, en prenant des positions risquées, puisqu'on est protégé de toute façon par le chasseur de tête. Il est évident que le PDG d'une entreprise, dans cette perspective-là, c'est une entreprise de 230 personnes, qui est leader mondial dans sa branche,
n'empêche pas d'être leader mondial dans sa branche. Et on avait recruté effectivement, 6 mois auparavant, un cadre supérieur de très haut niveau et extrêmement compétent. Il avait un défaut, il était d'outre-Rhin, il était allemand, c'est-à-dire que les relations, les influences, papa, maman,